Allô tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Sarah Kapilukwa Yoali, ancienne étudiante internationale. Donc pour les anciens qui me suivent, re-bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous revoir après plusieurs mois d'absence sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je reviens avec cette vidéo-là. Donc pour commencer l'année 2023, bonne année à tout le monde. Beaucoup de santé, de prospérité et surtout une bonne vie spirituelle. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Donc, dans cette vidéo, je reviens avec les trois raisons qui ont fait que j'ai déserté YouTube pendant tout ce temps-là. Donc, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager cette vidéo YouTube. Je remercie sincèrement du plus profond de mon cœur toutes les personnes qui m'ont soutenue, qui m'ont écrit pour prendre mes nouvelles et qui n'ont pas arrêté de me contacter sur mes réseaux sociaux. Donc, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je te le mets juste ici ainsi que mon Snapchat. Et n'hésite pas aussi à m'envoyer ta question par courriel. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Donc, comme je le disais, ça fait à peu près 5 mois que j'ai déserté YouTube. Les bonnes personnes, des abonnés vraiment présents m'ont contacté. Puis, ils m'ont demandé est-ce que ça allait. Mais ça va très bien par la grâce de Dieu. Ça va super bien. Que de bonnes nouvelles jusqu'ici. On rend grâce au Seigneur. Donc, pour ceux qui me suivent sur Instagram, savent que j'ai déménagé. C'est pas mal la première raison. Donc, j'ai quitté Sherbrooke. Maintenant, je suis rendue à Québec, donc dans la ville même de Québec, qui se trouve dans la province du Québec. Donc j'ai quitté malheureusement ma ville d'accueil, Sherbrooke, et j'ai déménagé en décembre, donc c'est pas mal. Pendant ce temps-là, j'ai décidé d'arrêter de faire des vidéos YouTube, le temps de vraiment prendre le déménagement au complet, puis que tout se passe bien. Donc depuis décembre, je suis à Québec, ville. Et ça se passe super bien jusqu'ici. Alors, la deuxième raison pour laquelle j'ai déserté YouTube, c'est un retour aux études. Donc, je suis retournée aux études, mais je ne suis plus à l'université de Sherbrooke. Je suis maintenant à l'université Laval. Donc, je suis rendue pour faire mon deuxième cycle. Donc, là, je fais une maîtrise en ressources humaines toujours. Et j'ai hâte de pouvoir vous partager mon quotidien ici à Québec en tant que nouvelle étudiante encore une fois, mais cette fois-ci par la grâce de Dieu en tant que résidente permanente. Donc c'est sûr que ça change beaucoup au niveau du stress financier. Fait qu'on y va vraiment à notre rythme. Donc j'ai très hâte de partager mon quotidien, de vous partager mon parcours universitaire. Ça a pris beaucoup de temps parce que j'ai commencé la session d'hiver, le temps vraiment de revenir aux études. Ça fait longtemps, moi j'ai fini en août 2020 pour les personnes qui me suivent depuis longtemps. Puis le temps de revenir dans les travaux d'équipe, de vraiment m'assurer que oui, j'ai cours, j'ai des devoirs à rendre, j'ai des rencontres d'équipe. Ça prend une adaptation. Fait que c'est ça qui a fait que j'ai vraiment disparu de ma chaîne YouTube. Mais je reviens petit à petit par la grâce de Dieu. Oui, je n'ai pas arrêté de travailler. Je continue à travailler 40 heures par semaine. Mais j'ai fait l'école aussi à côté. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai quitté YouTube. Alors, la troisième raison qui a fait que j'ai déserté YouTube, c'est notamment au niveau de l'équipement. Donc là, je reviens vraiment en force. Ça m'a pris du temps parce qu'il faut s'équiper pour avoir du beau contenu. Il faut s'équiper au niveau de la caméra, du micro, comme vous voyez. Hein? Petit à petit, tranquillement, pas vite. Il faut vraiment s'équiper. Il faut des ring lights, il faut des flashs, des trucs là qui brillent. Là. Il faut vraiment une luminosité qui en vaille la peine. Pas seulement filmer quand il y a la lumière du jour. Il faut filmer quand c'est joli, même quand je filme la nuit. Il faut avoir un beau background. Quand, hein? Peu importe, même à minuit, tu te réveilles. Tu filmes bien parce que tu as des... Donc tout ça là, ça, it's money, call money, so I need to work. Donc il faut que je travaille pour pouvoir m'acheter tout ce matériel là. Donc c'est la troisième raison pour laquelle j'ai déserté YouTube, mais tranquillement pas vite, toujours par la grâce de Dieu, on s'en vient puis on aura beaucoup plus de contenu. Donc toutes les personnes qui me suivent sont un peu au courant, qui me suivent sur Instagram, je tiens à préciser, sont un peu au courant de cette petite pause que j'ai prise. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne Instagram, je t'invite à le faire. Escapilouquois, toujours. Et ma chaîne YouTube, vraiment, et la page Instagram, pardon, de ma chaîne YouTube, yasara-07, pour les personnes qui voudraient participer
assez fréquemment à mes sondages que je poste sur mes réseaux sociaux. Donc, c'est pas mal ça au niveau des raisons pour lesquelles j'ai déserté YouTube. Donc, je compte sur vous. Partagez la vidéo au maximum. Likez la vidéo. Commentez la vidéo. Parlez-moi de vous. J'ai envie de savoir comment ça se passe. J'ai appris que plusieurs étudiants sont arrivés cet hiver. Je suis tellement contente pour vous. Que Dieu soit loué. Et toutes les personnes qui sont encore en procédure, écrivez-moi. J'ai envie de savoir comment vous allez. Écrivez-moi en commentaire, même en privé, si vous êtes gênés. Donc, n'hésitez pas. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ciao.